Comment allez-vous? Ça va. C'est bon. Claude, pourquoi tu es si pensif aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'il a? Moi aussi, je ne sais pas. Il est comme ça depuis qu'on est ici. À quoi penses-tu? Non, mes amis, je vais bien, mais c'est juste cette histoire de déposition qui me fait trop réfléchir comme ça. De quoi parlais-tu? Tu as été convoqué à la police? Non, c'est pas ça, mon ami. En fait, depuis le début du mois de septembre, la commission Vérité et Réconciliation, CVR, a invité les gens à aller faire des dépositions. Les victimes, aussi bien que les auteurs et les témoins de ces crimes. Bon, c'est une bonne chose si ces dépositions vont aider les Burundais à se réconcilier entre eux. On devrait plutôt s'en jouer, non? Bof, c'est peine perdue. Parce que les coupables ne seront jamais punis. À quoi bon? Non! Mais reconnaître ces crimes, c'est aussi une autre façon de se repentir, Nadine. Et les victimes en sont souvent soulagées. Je pense que le travail de la CVR, et notamment cette phase de déposition, permettra d'honorer les victimes. Vous savez, les amis, j'ai commis beaucoup des actes dont je ne suis pas très chargé ce que je vous dis. Donc, je ne me sens pas le courage d'aller tout dire. Écoute, mon ami, les dépositions se feront à huis clos. Vous êtes sûr? Je te jure, tu te sentiras en paix avec ta conscience. Comme après la confession, les victimes, les orphelins, doivent tous connaître la vérité. Et c'est leur droit. Et on doit les y aider. Vous saviez, chacun de nous a une part de responsabilité dans les conflits qui ont endeuillé notre pays. Ah oui, moi aussi j'irai. Pour parler de ce qui est arrivé à mon oncle pendant la crise. C'est ça. Je ne veux plus cette rancœur. Souvent, nos voisins, nos amis sont considérés comme coupables. Mais en réalité, et même sont des victimes de manipulation ou de mauvais discours. J'ai été témoin d'actes horribles moi aussi. Ah bon? Et c'est mon devoir d'aller en parler. Courage. Vous avez raison, mes amis. J'irai aussi faire une déposition. Et d'ailleurs, il faut enterrer notre passé douloureux pour penser à construire un meilleur avenir. Non? Et j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de demander pardon. Bravo, les amis, pour ces décisions. Et je propose qu'on en parle autour de nous, afin que tout le monde puisse faire comme nous. Comme les Écritures Saintes le disent, la vérité nous rendra libres. Alors, c'est ma tournée. Merci. Merci, Belise. Pas de quoi. Non seulement elle nous rendra libres, mais surtout la vérité va en fait libérer notre pays de son lourd passé pour un avenir meilleur. Ah oui. Alors, je propose qu'elle nous revienne au vert à la santé de la CVR. Commission Vérité et Réconciliation invite tout Burundais ayant connaissance des crises qui ont touché notre pays à se dépêcher à faire sa déposition à la CVR pour sa noble mission de réconcilier les Burundais. Avec la CVR, la vérité vous rendra libre.